Bienvenue à toi sur ce podcast qui t'est entièrement dédié. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le 40e petit pas vers soi. Comme à l'accoutumée, une fois par semaine, c'est le petit break, le petit bilan de fin de semaine, le petit feedback, voir dans le cahier de cheminement personnel ce qui est à réajuster, recentrer. Mais aujourd'hui, j'ai surtout envie de partager avec toi une idée qui m'est venue ce matin, du moins une prise de conscience qui m'est venue ce matin. On a souvent des rêves, des envies, des projets sur lesquels finalement on ose s'attarder car pour l'heure, ils nous semblent inaccessibles ou du moins on sait que ce n'est pas le moment de réaliser ce rêve, ce projet ou cette envie. Mais qu'est-ce qui nous empêche, au final, de creuser un petit peu ce rêve, de ce projet, cette envie? Je vous donne un exemple concret. J'ai très très envie qu'on aménage un van avec mon mari pour aller jouer les globe-trotteurs. Et voir les fabuleux coins de nature qu'il y a ici et là sur notre belle planète. Eh bien, ça fait 2 jours que je regarde des vidéos YouTube d'aménagement de van. J'ai même dessiné hier soir les plans de notre super van. Vous voyez, et en fait, cette émule que ça génère en moi, eh bien, ça fait du bien. Alors, je sais que ce projet, c'est pas pour maintenant, mais ça m'a fait un bien fou de me plonger dedans quand même quelques heures. Alors aujourd'hui, je t'invite à justement te poser sur un rêve, une envie, un projet dans la même configuration. Tu sais que c'est pas pour maintenant, mais ça, voilà, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Et d'explorer, de farfouiller, de t'intéresser à ce sujet aujourd'hui. Fais-toi du bien, rêve un peu. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et je te dis à demain pour le prochain petit pas vers soi.